Le système de défense antimissile américain, ces Sud-Coréens y pensent notamment quand ils se rasent la tête. Près d'un millier de personnes ont manifesté ainsi d'une manière originale leur opposition à ce projet du gouvernement et des États-Unis pour faire face aux menaces nord-coréennes. Cela s'est passé dans la région de Seongju qui doit accueillir le système THAAD. Nous ne voulons pas de THAAD, où que ce soit, pas seulement à Seongju, mais partout en Corée du Sud. Nous, habitants, nous nous sommes réunis ici et nous nous sommes rasés la tête pour manifester contre ce projet. Le projet THAAD a été annoncé le mois dernier par le gouvernement sud-coréen, provoquant aussitôt la colère de Pyongyang, mais aussi de Pékin. Séoul souhaite que le projet soit opérationnel d'ici fin 2017. La tension dans le pays est encore montée d'un cran depuis que la Corée du Nord a effectué en janvier son quatrième essai nucléaire, suivi par une série de lancements de missiles.